Bon, ma question est, j'entends aujourd'hui, on dit Jésus est messager. Bon, souvent on entend, il est Dieu, donc j'aimerais savoir, il est qui? Au juste. Est-ce que Jésus est Dieu? Question. Normalement, c'est la. Ça ne fait pas partie du thème. C'est ça. Mais on va répondre parce que c'est une question. Vas-y. Parce que jusqu'à là, nous on a tout fait presser dans le thème. Vas-y. Mais on va répondre parce que c'est une question de public. À la naissance de Jésus, l'attitude des mages, c'est ça, indique que Jésus est Dieu. Vas-y. Avant que Jésus va parler, amen. Avant que les apôtres vont parler, oui. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu 2, verset 1er. Écoutez, s'il vous plaît. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Jésus est né à Bethléem en Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Oui. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dit, les mages qui sont venus d'Orient là. Oui. Écoutez très bien. Où est le roi des Juifs? Attends d'abord. Écoutez très bien. Les mages qui sont venus d'Orient là. Ce n'est pas des Juifs. Jamais. C'est des païens. C'est des non-juifs. Ouais. Pour que vous sachiez que quand Jésus est né là, oui. Il est venu là. Oui. Il n'est pas venu seulement pour Israël. Jamais. Les premières personnes qui font venir reconnaître sa divinité, oui. Ce n'est pas des Juifs. Jamais. C'est des païens. Clair. Des mages. Clair. De vas-y. Où est le Dieu qu'ils sont venus, ils se sont renseignés. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui vient de naître, si tu arrêtes là. Mais la question doit nous interroger. Le roi des Juifs, c'est l'éternel des armées. Clair. Mais comment est des païens peuvent venir demander au roi des... Mais là, le roi naturel, c'était Hérode. Clair. Hérode était là. Voilà. C'est pas d'Hérode qui parlait. Jamais. Parce qu'elle avait la promesse d'Esaïe. Oui. Que Dieu lui-même devait venir. Amen. Et Dieu a pris des païens. Si vous prenez des Juifs, on va dire que c'est calculé. Très. Armaille. Oui. Ça, il a pris des païens qui ne croient pas. C'est ça. Qui vient le naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Les premières personnes qui ont dit que Dieu est né là, oui. Pas les chrétiens. Oui. C'est les mages d'Orient ont dit Dieu vient de naître. Fait. Dieu vient d'exister dans le temps. Vas-y. C'est que fait la déclaration. Oui, mais on a vu son étoile en Orient. Mais nous sommes venus. Il fait quoi? Pour l'adorer. Est-ce qu'on peut adorer un être humain? Question. Quand Dieu fait une femme humaine, on l'adore. Quand Dieu est pris, on l'adore. Amen. J'ai dit ici à la salle, on va faire la chambre de veste. Oui. Il m'a servi pour aller se laver. Oui. Il est toujours possible. Amen. Quand Dieu se revêt de la forme naturelle humaine. Oui. On l'adore dans cette forme. Amen. Shalom. Les mains sont venus l'adorer. Oui. Matthieu chapitre 8. Jésus donne parole de Jésus. Amen. Donc on a vu déclaration des mages. C'est ça. Parole de Jésus. Amen. Ce qu'il a fait sur la Bible, il fallait tous là-bas de tout, trois témoins. Vas-y. On va pas citer toute la Bible. C'est ça. Jean chapitre 8, verset 24. J'invite. Jean 8, verset 24. On y va. C'est pourquoi. Je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit. Bon, je lis et puis on laisse. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, ce que je suis, Jésus n'a pas dit ce que je fais, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand les mains disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, le roi des Juifs c'est Jésus. Amen. Donc c'est ce qu'il est. Depuis le roi, il est né le roi. Si vous ne croyez pas ce que Jésus voulait répéter, je vous dis, dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous yes. Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Yes. Et ce que j'ai entendu de lui, oui. Je l'ai dit au monde. Verset 27. Ah, vraiment, Yako. Alhamdulillah. Bah vous voyez, Jésus est devenu Dieu en même temps. Pourtant, on était en train de parler, il a dit, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est le prophète. Où il est devenu Dieu? Un coup, il est devenu Dieu. Bon, c'est ce que nous on a dit, quand on dit, bon, au moins il reconnaît que Jésus c'est un prophète, parce que c'est le prophète. Dit, le prophète Jésus, le prophète Jésus. Je vous ai dit que ça les arrange là, Dieu, il vient nous marmailler, déjà il est Dieu dans vos cœurs. Allons-y. Maintenant, si tu te trompes même de Dieu, ça fait un d'abord. Il y a problème. Et de deux, tu dis, ils sont venus l'adorer. Ça prouve que, un, tu ne connais pas la Bible. Voilà. Parce que regarde ce que la Bible dit ici encore. Vas-y, attends, voilà. Pour toi, vas-y, dit, frère. Voilà, il y a des beaux yeux. Je vois bien. Il a dit ceci. Après que Jésus fut né, oui? À Bethléem de Judée, le roi d'Europe. Allons au verset 2 directement. Au verset 2. En disant, oui. Où est celui qui est né le roi des Juifs? Oui. Car nous sommes venus lui rendre hommage. Il dit, ils sont venus l'adorer. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. Hommage.
On va pisser encore dans la Bible de Jérusalem. Voilà, voici la Bible de Jérusalem. Ça, c'est quitté en Israël. Écoutez ce qu'eux-mêmes ils disent. On dit ceci. Ils disent au verset 2. Là-bas, c'est au mage également. Alors, le mage vient et dit, où est le roi des Juifs? Oui. Afin que nous allions lui rendre hommage. Vous avez compris? Voilà. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus lui rendre hommage. Voilà. C'est ce qui est bon dans la Bible. Voilà pourquoi on a 17 Bibles ici. C'est pas pour rien. Dès que tu as menti, net, on t'a tapé ici temps. En même temps. Voilà, maintenant les frères, regardez. Regardez. Oh, Dieu, c'est-à-dire qu'on appelle ça, on les a attrapés à bout portant. À bout portant, la main dans le sac. Au début, ils nous ont fait croire que Jésus était prophète. Alors qu'un prophète, c'est celui que Dieu envoie. Un coup, tout à coup, brusquement, la question de la maman avec qui il est devenu Dieu. Et Dieu, il est né chez eux là-bas. Dieu est né. Dieu, il naît. Pendant ce temps, Satan, il est là, il attend. Et là, ils adorent un Dieu qui est né, un Dieu blanc. Et là, dans une autre Bible encore, Jean 8, 40. Vas-y. Il a pris Jean 8, 43 et suite là-bas. Mm-hmm. Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'un être humain, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Il est devenu Dieu. Jésus est devenu Dieu. C'est-à-dire qu'en moins de 10 minutes, il a changé. Il a changé. Il a dit, tu as sauvé quelqu'un. Hein, ça, tu as sauvé les gens. C'est-à-dire que toi-même, tu ne savais pas faire la différence entre le créateur et la créature. Du coup, la créature devient le créateur devient une créature. Alors que toi qui es une créature, tu t'amènes à aller adorer une créature. Ça, c'est un délit. Tu es mort dedans là. C'est l'enfer sans embouteillage. Pendant que tu dis Jésus est Dieu là. Jésus même priait Dieu dans la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Jamais. Les frères, attaque-lui. Chose grave. Le monsieur qui dit les venu faire comprendre nos gens dans la compréhension spirituelle. Pendant que Dieu dit, elle adorait qui? Elle adorait ce qui est de son ventre. C'est Dieu qui est de son ventre. Pendant ce temps, Marie, elle-même adorait qui? Et les Juifs là, ils partaient adorer dans le temple. Ils adoraient qui dans le temple là? Pendant que les dieux étaient dans le ventre de Marie. Voilà, ça c'est du paganisme. On appelle ça du paganisme. Croire que Dieu est venu sous forme humaine. C'est les païens qui pensent ça. Et ça là, les anges vont vous chicoter si vous ne vous dépatez pas. Ça c'est pas musulman. Ça, on ne joue pas le tawhid d'Allah. Ça dit qu'ils ont touché. Ils ont touché au tawhid d'Allah, ce qu'ils ne devaient pas toucher. Voilà que eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils adorent. Pendant qu'ils adorent Jésus, Jésus est en train d'adorer Dieu. Et puis ils disent que venez, on va adorer la créature. Vous serez sauvés. Et qui veut adorer la créature? Quand lever son bras. Jamais. Regardez, même les chrétiens vous ont abandonné aussi. Personne ne veut lever sa main. Qui va aller adorer la créature? Merci beaucoup.